Nocturne, ça a été toujours le fil rouge sur quelque chose d'assez ténu et sur l'idée du rebond dans la vie et globalement sentimentale. Voilà, en prenant le prétexte de ce camion-snack la nuit dans une zone urbaine. Si on relit les premières versions du scénario, il y avait déjà marqué la musique démarre, la musique reprend, le thème réapparaît, si je dis pas de bêtises. Je dirais que tu fais partie des 10% des réalisateurs qui pensent à la musique, à l'écriture. Il a lu le scénario bien avant que je sache que je ferais le film avec Le Grec et France 2. Et il m'a proposé de faire la musique. Voilà. Alors que je lui avais même pas demandé. Ce serait mentir de dire que je connaissais tout son travail, mais effectivement, je connaissais une partie de son travail. Je me suis dit que ce serait une personne qui m'apporterait, a priori, un retour intéressant en termes de lecture. Je me suis dit, tiens, je vais lui faire lire. Encore une fois, bien loin de moi l'idée de lui proposer de faire la musique, c'était vraiment pas le but. Quand on demande un conseil à quelqu'un qui est un professionnel, mais qu'on connaît pas personnellement pour autant, parce que je savais même pas si tu répondrais finalement. Et à mon grand étonnement, il m'a répondu et il m'a donné son numéro. Voilà. Voilà. Il m'a dit, si t'as besoin d'aide, moi je t'aiderai. Voilà. Et ça m'a... C'est très motivant hein, qu'on est qu'on est à peine en développement d'un film, qu'on a qu'un scénario et qu'on est dans cette démarche-là d'avoir un soutien artistique et du coup personnel, surtout quand ça vient d'un professionnel de ce calibre. Je me suis dit, c'est pas parce que c'est Jean-Michel Bernard qu'il faut que je commence à penser à ça, parce que sinon on va pas bien travailler, déjà, et d'une. Et puis en plus, je me suis dit que c'était pas ce genre de relation que t'attendrais, parce qu'en tant que compositeur, j'imagine que tu préfères probablement avoir des propositions. Donc je lui ai envoyé beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Voilà. Des références, des morceaux, je me souviens, j'ai fait une petite liste sur Deezer ou je ne sais quoi, ou des pièces jointes, des MP3 en pièces jointes, de plusieurs artistes que j'écoutais à ce moment-là, de références d'envie, avec des envies d'orchestration aussi, sur la forme, sur les petites sonorités, je lui ai envoyé tout ça, et puis il dit, bah, qu'en penses-tu, parlons-en. Et le dialogue s'est fait sur quasiment 2 ans avant que le film se fasse. Je me plaçais vraiment dans une ambiance déjà très peu dialoguée, avec une grosse place au sound design et au silence. Je savais que je voulais de la musique, mais je savais que je voulais pas contrarier le silence du film non plus. Mais l'envie de musique a fait que je me suis dit qu'il va falloir trouver quelque chose de très, comme un peu l'ambiance et la relation des personnages, quelque chose de très ténu, quelque chose de très simple, relativement en retrait. Et il y avait aussi cette histoire de labyrinthe au début. Et je me suis dit que le labyrinthe, il fallait vraiment qu'on l'accompagne. Et c'est là où je pense le thème principal, il se trouve à cet endroit-là dans le film. C'était comment suggérer ça encore plus. Et à partir de là, bah, il fallait des propositions de musique. Cette musique est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. C'est une musique qui souligne un petit peu le côté saugrenu de la situation quelque part, tu vois, en fait. C'est-à-dire qu'elle a une espèce de regard extérieur sur la rencontre de ces personnages, un peu paumés, les deux d'ailleurs, parce que tu vois le premier dans sa voiture, où finalement on comprend quand même à travers les appels téléphoniques que chez lui ça va pas très bien, avec sa famille, avec sa femme, etc. Elle a l'air un peu paumée aussi quand même dans son camion à frites. Donc du coup, y a, la musique fait, elle a un petit peu ce côté finalement liant, on va dire, et sans prendre parti. Mais en même temps, elle a aussi un petit côté un peu goguenard, si je puis dire, qui avance quand même. C'est une musique qui avance, qui ne stagne pas, et qui aussi souligne un peu ce périple à travers justement le labyrinthe pour arriver à sortir du parking. Et c'est très intéressant à faire, parce que c'est vraiment une espèce d'exercice de style. Parce qu'il faut en même temps qu'on ait un thème quand même un peu récurrent, parce que c'est le même thème qui revient. Et au début, il y avait aussi ces accords plaqués avec ces résonances qui soulignent aussi ne serait-ce que le titrage tout de suite. Et dans les sonorités, on avait choisi aussi d'avoir non pas un quatuor, mais un trio de cordes, puisqu'en fait on a le violoncelle et l'alto et le piano.
beaucoup aimé, c'est qu'on a, trouvé pour moi le bon dosage entre une certaine mélancolie et puis de la douceur, voilà, par rapport au personnage. Je trouve que c'est très doux. Et ça, c'était important. Mais il faut être doux sans être mièvre, évidemment. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas de différence entre travailler avec Martin Scorsese et Fabien. Je ne dis pas ça pour le... Non, non, mais je ne dis pas ça pour te flatter. Mais c'est l'histoire d'envie, tu vois, de plaisir à faire les choses. Et moi, je prends autant de plaisir à faire des bouts de l'écho cabré que de faire rester là. De toute manière, c'est quand tu te retrouves un peu enferré et enfermé dans une espèce de tout venant, là, moi, ça me rend mon cul, quoi. C'est terrifiant quand tu vois quelquefois le peu de créativité de certains, c'est quand même ahurissant, quelque part. Jean-Michel, il n'a pas juste apporté la composition, il a produit la musique, c'est-à-dire qu'il a tout mis en œuvre pour que la musique soit faite et fabriquée. Et ça, d'un point de vue technique, matériel, tout, quoi. C'est-à-dire que c'est lui qui a pris en charge toute la fabrication de tout ce qui touchait à la musique. Donc c'était déjà d'un luxe assez incroyable. Et c'était un confort de travail et aussi de confiance de savoir que quand il allait me proposer des choses, je pouvais lui avancer, travailler ensemble, dire. Ça, moins ça, etc. Et là où j'avais des doutes, c'était sur est-ce que je vais réussir à bien collaborer avec lui. Parce que c'est bien beau de se retrouver avec Jean-Michel, mais après, il faut qu'on arrive à travailler, quoi. Donc, comment est-ce que je vais lui parler, comment on va avancer sur le travail de la musique. Et comme t'es quand même très cool, on va dire. L'apparence du monde. En tout cas, voilà. Et dans les faits aussi, j'ai trouvé, il y a ce côté facile à travailler. C'est-à-dire, au-delà de la satisfaction des propositions. C'est-à-dire, on change un truc, on améliore, ça va plus loin. Et puis surtout, ça va plus loin que de toute façon tout ce que j'aurais imaginé. C'est-à-dire que même si j'avais des envies assez précises et des indications, je crois, assez précises, c'est comme le travail que le chef opérateur ou les comédiens, ça va plus loin et c'est encore mieux. Faut pas oublier ça, quoi. C'est ça qui est génial, quoi. Autrement, ce qui était très sympa, c'est que Jean-Michel me laissait parler aux musiciens, et pas seulement assister à l'enregistrement en soi, c'est assez magique, hein, pour quelqu'un qui aime bien la musique et les instruments, etc. Mais je me souviens que j'ai parlé à l'alto, et là, je lui ai parlé presque comme un comédien. C'est-à-dire, pas du tout d'un point de vue technique, parce que je vais pas parler technique à un alto qui a l'habitude de bosser à l'opéra, quoi. J'ai l'air un peu ridicule. Donc c'est plutôt en termes là d'intention, quoi. Et ça donne des résultats, c'est assez marrant, quoi. Il y a l'idée du dialogue de toute façon, quoi. Donc, et puis après on espère les professionnels, effectivement. Voilà.